Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero, vidéo où l'on va parler de Ida, et j'ai de la chance parce que j'ai avec moi Vils, qui est pour moi l'un des meilleurs Ida, et de toute façon le meilleur Ida présent sur le serveur, donc on va pouvoir regarder avec lui un petit peu comment maximiser le potentiel du personnage qui reste sur un boss avec pas mal de points de vie, un des DPS les plus importants du jeu. Bonjour Vils, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super, merci. Alors Ida, c'est ton chouchou, toi, sur le jeu, hein, c'est ça? Clairement, sur la globale, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. Après, il a des défauts quand même, ça je vais pas le cacher, mais non, on le verra après. Voilà. Donc, comment on va faire? On va faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous présenter les skills du personnage. On va regarder les talents. Là, Vils va plus vous conseiller que moi sur les branches de Ida à monter, parce que comme vous voyez, je ne l'ai pas monté. C'est pas un perso que j'ai énormément joué. On va parler ensuite des cartes. Là, encore une fois, Vils va vous conseiller des cartes 5 et 6 étoiles selon ce que vous aurez. Et puis après, on passera un petit peu au gameplay où là, ça sera le jeu de Vils qui sera affiché et il va vous montrer comment maximiser le potentiel d'Ida. Donc, je vais commencer par les skills, on va faire une traduction sommaire. Le premier passif va augmenter le critique rate de 5% et le crit damage de 5% plus un pourcentage en fonction du level que vous allez avoir. Le deuxième passif, après avoir utilisé le E, Recipro Burst, la pénétration rate, donc le taux de pénétration, est augmenté en fonction du engine boost actuel. 100% engine boost augmente la pénétration rate de 15% plus un chiffre selon votre level pour 15 secondes. Et on va parler du SS parce qu'il y a un moment donné, vous allez quand même réussir à avoir le rang SS du personnage. Donc vous allez pouvoir assez aisément de toute façon le passer SS à force de pull sur des bannières comme au hasard All Might, Stain, Endeavor, etc. Donc au niveau du passif SS, eh bien c'est simplement une augmentation du crit rate qui est augmentée de 0,3 plus un pourcentage selon votre level en fonction du nombre de combos utilisés jusqu'à un maximum de 20 stacks. Au niveau du passif, vous avez l'Overload statut qui va en fait bloquer votre barre de combo pour éviter de perdre votre barre de combo. Ça, moi, j'ai un peu de mal à l'utiliser correctement. On a ensuite le Recipro Active qui va dodge les attaques durant sa retraite. Donc, il va pouvoir utiliser le Perfect Dodge, mais c'est pas trop l'utilité, je pense. Et il est immune au cassage de combo et au nouveau contrôle. Ida va arrêter de taper, va se retirer. En gros, il va faire une charge qui va faire 60% de l'attaque plus 204 damage, nombre selon votre level de skill. Il a un cooldown de 3 secondes. Donc voilà. Ensuite, ça, bah, le Recipro Extend, bah, c'est juste une attaque qui fait. Enfin, c'est un combo d'attaque qui fait 28% de dégâts selon votre attaque, plus 110% de damage, et ça a un cooldown de 12 secondes. On a ensuite le Recipro Burst qui va faire 190% de votre attaque plus 675 damage avec un cooldown de 15 secondes. Et quand vous allez l'utiliser, ça convertit l'engine boost que vous allez avoir en fait comme tous les personnages Ida une barre en dessous qui est l'engine boost qui va augmenter, enfin, qui va augmenter votre attaque de 25% et les dégâts de 12,5% du Q pour 15 secondes. Et il convertit l'engine boost et les effets sont clear. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si je me trompe pas, il clear ses effets de négatif qu'il a sur la tronche, c'est ça, Vince? Ça, en fait, quand l'idéal c'est de l'utiliser quand ta barre elle est à fond et à 200%, et en fait, effectivement, ça va te remettre ta barre à zéro. Donc, on peut croire que c'est nul, mais en fait, déjà, enfin, personnellement, ça met quand même un bonus de plus 100% de dégâts. Et en plus, plutôt que de faire de 25% en 25%, en fait, tu vas passer quand même à 50% en 50%. Donc, en 4Q, tu retombes à 200% avec les dégâts x2. C'est C'est pas plutôt pas négligeable. mal. Oui, parce qu'ils disent que si l'engine boost est à 200%, le taux de conversion est doublé.
mais la durée C'est ne ça. change pas. Et puis bah il y a l'ulti qui va être une série de coups qui va faire 990% d'attaque plus 3910 damage. Le 3910 étant en fonction du level de votre skill. On va parler maintenant des cartes support, si tu le veux bien, on Ouais, bien t'évise. sûr. On va commencer par les 5 étoiles peut-être. Ça sera plus. Bah, certains n'ont pas encore trop de 6 étoiles, donc en 5 étoiles, tu lui mettrais quoi au petit id? Alors, déjà, j'ai appris récemment que Ectoplasme était plutôt pas mal. À vrai dire, j'avais pas vraiment regardé ce personnage. Et en fait, il augmente énormément l'attaque. Ténia, faut savoir que c'est vraiment un bourrin. Lui, son but, c'est de faire un maximum de dégâts, mais en contrepartie, il a vraiment pas beaucoup de défense. Donc, il faut essayer de trouver un petit compromis. Donc, je pense qu'au niveau de l'attaque, franchement, Ectoplasme est plutôt pas mal. Après, il y a toujours un set qui donne, par exemple, quand on a le set pair, on va dire, on a plus 90 points d'attaque. C'est ça. Effectivement, c'est bien, mais ça se peut que la paire ne corresponde pas réellement au personnage. Voilà, Moi, ectoplasme, il y a un. c'est recovery, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il me semble, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi, il y a un perso que j'aime bien, c'est lui. Bon, après, j'utilise pas de carte orange, à vrai dire. Là, je parle de souvenirs, mais il me semble qu'il fait un bon bouclier. Alors attends, parce que quand tu dis c'est lui, il voyait pas. Voilà, là il voyait. Nickel. Pardon. Parce que là, je vois pas son nom. Mais le Ah mec ouais, tout poilu, là. c'est le nom, c'est monsieur poilu, Ouais, c'est Nagasamamura. ça. C'est ça. Et bah, lui, il te permet d'avoir un bouclier. Et mine de rien, Tenya, il a tellement peu de défense qu'avoir un bouclier, franchement, c'est bien pratique. C'est pas dégueulasse parce que son combo c'est le combat fist qui augmente le crit rate et le crit C'est ça. dommage. Selon le nombre de combo fist, de combat fist, de stack de combat fist que tu vas avoir. C'est plutôt C'est pas ça. mal, c'est comme carte, effectivement. Et il faut savoir que Tenya, c'est un personnage comme par exemple Stain prochainement ou même All Might avec ses tornades qui fait énormément de combos. Mais surtout, par exemple, pour les cartes qui vont activer un buff en fonction du nombre d'attaques, on va dire, basiques. Tu sais, par exemple, si je prends un exemple en carte 6 étoiles, Nomu, il peut activer sa carte. Avec un pourcentage de chance en fonction de quand tu vas mettre des attaques basiques, tu vois. Et Tenya, lui, en fait, ses dégâts principaux, 90% de ses dégâts, ça va être des attaques basiques. Et donc, en fait, il va proc énormément les cartes comme ça. Donc, c'est vraiment pratique sur les Nomu, les trucs comme ça, c'est vraiment pratique sur lui. On va passer aux 6 étoiles. Qu'est-ce que tu conseilles comme carte 6 étoiles sur le Ida? Alors, à l'ancienne, j'aurais conseillé Mirio, parce qu'il avait vraiment un très très puissant bonus, mais il a été nerf sur la globale, mais il reste quand même très bien, en tout cas personnellement je l'utilise, parce que je l'ai niveau 2, et qu'il passe de 24% de récupération du cooldown du spécial à 36%, donc mine de rien, imaginons que je perds le spécial de mon Tenya, qui est le truc à ne pas perdre, sinon Tenya devient complètement useless. Ben, mine de rien, je peux quand même récupérer 36% instantanément. Et ça peut être une super save, quoi. Ça me permet vraiment de pas attendre énormément de temps, quoi. Je veux dire, on est tellement vulnérable sans le spécial que Mirio, c'est vraiment un très très bon atout. Franchement, je le mettrais en tout cas, peut-être pas niveau 1, mais à partir du niveau 2, clairement, il devient vraiment très très utile. Et en tout cas, moi, personnellement, je l'utilise parce que je peux faire un combo avec Tenya sans attendre. C'est-à-dire qu'il me permet, justement, en me régénérant ma barre de spécial, d'enchaîner bien plus vite mes combos et d'atteindre le 200% avec une rapidité monstrueuse, quoi. Ensuite, personnellement, j'utilise le sniper parce que, tout simplement, lui, il augmente le crit rate. Il est énorme avec Tenya parce que Tenya il fait tellement d'attaques à la seconde que en fait tu as un énorme pourcentage de chances de faire un coup critique.
Après, il y a aussi ses talents qui augmentent les coups critiques et tout, mais mine de rien, Tenya, il a un énorme pourcentage de chances de faire des attaques critiques. Et il fait tellement d'attaques à la seconde que améliorer son taux de critique, c'est vraiment une bonne chose à faire. Après, il y a aussi Nomu et Muscular qui sont un petit peu identiques. Qui, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, Tenya, il attaque tellement vite que la carte, en fait, elle va s'activer beaucoup de fois. Donc, mine de rien, c'est les pourcentages qui donnent sont pas négligeables pendant 5 secondes, sachant qu'en 5 secondes, je pense que tu as largement le temps de t'attaler. Hein. 7, moins de 10 secondes, je pense que tu peux l'utiliser. Toutes les moins de 10 secondes, je pense que Nomu, tu peux le proc. Donc, tu as quand même un bon pourcentage de dégâts en plus, quasiment constant. C'est vraiment pas négligeable. Après, il faut être à 200% avec Tenya parce que sinon, bah, la carte ne va pas te servir à grand-chose, quoi. Quand il n'est pas à 200%, il est super lent, Tenya. C'est son gros défaut. Et de toute façon, dis-moi si je me trompe, mais de toute manière, Tenya n'est pas réellement un perso PVP. Donc, que ça soit le Nomu ou Muscular, ça gêne pas. Tandis que sur des persos qui ont plus une portée PVP, peut-être que Muscular est plus intéressant, étant donné que Nomu lui donne le statut Hyper Armor. Et on sait qu'il y a beaucoup de persos qui ont des buffs sur les personnages avec Hyper Armor. Donc, pour d'autres persos, Muscular peut être plus intéressant. Mais là, vu que Clairement. Tenya, c'est pas PVP, je pense que une des deux fait la job, ouais. C'est ça. Mais franchement, si j'avais pas les deux cartes de Tenya, je pense qu'en troisième carte, par exemple, j'aurais mis un Nomu. Et en quatrième, je pense que j'aurais mis un Mastermind. Parce que, mine de rien, en fait, Tenya, si tu veux, à 200%, son ulti, il le recharge vraiment très vite. Et mine de rien, il fait beaucoup de dégâts, sachant que son coup spécial rassemble les ennemis autour. Ça fait un petit peu comme la tornade d'All Might. Bien sûr, la zone est moins grande, mais il rassemble quand même énormément de personnes. Et pouvoir le proc assez souvent, c'est vraiment très puissant. Moi, je peux mettre des millions et des millions avec le coup spécial sans souci. Et comme ça les rassemble, bah après, mine de rien, avec mes attaques auto, ils sont tellement paquets que. Bah, au final, j'ai l'impression de faire des dégâts de zone, quoi, alors que de base, Tenya, c'est un mono-cible. Donc, avoir son ulti, c'est vraiment un atout. Après, je l'utilise pas vraiment en mono-cible, parce que tout simplement, Tenya est bien plus efficace avec ses coups de pied qu'avec son coup spécial. Donc, pour les clés, par exemple, les co-op, tout ça, pouvoir avoir son coup spécial, c'est vraiment un atout. Donc, Mastermind sera vraiment efficace. Après, en mono-cible, il va pas être très très efficace. Franchement, autant mettre des personnages qui augmentent les dégâts comme Nomu, Sniper pour le crit rate. Même Tomura, il me semble qu'il est vraiment pas mal. Il augmente le taux de pénétration. Voilà, encore une fois, chaque hit. Donc, sachant que Tenya, en même pas 20 secondes, il peut taper plus de 100 hits. C'est monstrueux, quoi. La carte, c'est vraiment efficace. En plus, pendant 10 secondes. C'est monstrueux, quoi. Ok, bon, on va passer aux talents maintenant. Je vais te laisser afficher tes talents. Moi, ils sont pas montés, donc comme ça, tu vas pouvoir conseiller les gens sur les talents de Ida. Bah, en fait, les talents de Tenya sont tous bons. Il y en a peut-être un qui est meilleur que les autres, selon moi, pour commencer, c'est celui en haut à droite. Parce que tout simplement, il va permettre d'avoir quand même plus 20% d'attaque speed. Sachant que Tenya à 0%, c'est vraiment être un des persos les plus lents du jeu. Donc, si on peut arriver à 200% le plus vite possible, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Sachant qu'en plus, ça augmente les dégâts critiques de 15%. Et comme on a dit tout à l'heure, Tenya, il est énormément sujet à faire des coups critiques. Donc, si on peut augmenter les dégâts, c'est pas plus mal. Donc, moi, je commencerai par celle de droite. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en premier, celle en haut à droite. Et puis ensuite, à vrai dire, je savais pas vraiment entre celle du bas et celle de gauche. Parce que mine de rien, quand même, le boost combo, en fait, c'est son attaque de base. Et donc, quand Tenya fait sa série de coups de pied, ça s'active à plus de 50% du boost. En fait, il change d'attaque. Ses attaques auto sont plus les mêmes. À la fin, il fait une série de coups de pied qui est vraiment très puissante. Et ben, en fait, celle-là permet de faire en sorte qu'à chaque hit, en fait, tu vas rajouter 40% d'attaque à chaque coup
de pied, ce qui est énorme. Sachant que, comme j'ai dit précédemment, en même pas 20 secondes, il peut taper les 100 hits s'il est bien parti. Donc, plus 40% à chaque fois, c'est vraiment pas négligeable. Ou alors, la branche de gauche qui te permet bah, tout simplement d'augmenter les dégâts critiques de 50%. C'est vraiment énorme. Le Engine Boost, c'est laquelle, le Engine Boost? Ah, je cherche pas, à mon avis, ils ont fait une belle erreur de traduction. Hein. À mon avis, C'est possible. c'est. Mais en gros, très clairement, avec ça, je sens vraiment la différence. C'est-à-dire que, pour te dire, quand mon Tenia fait un coup critique, je suis à largement plus de 100% de dégâts en plus. C'est-à-dire que si jamais sur un coup normal, je vais taper du 25 000, 30 000, mon coup critique va taper du 70 000 environ, tu vois. Ouais. C'est énorme. Alors pour moi l'engine boost hein, c'est la barre qu'il y a en dessous, tu sais, l'espèce d'accélérateur qu'il y a qui augmente en fonction du nombre de coups que tu fais. C'est ça, je pense que tu as raison. C'est ça, je pense que c'est ça. Eh ben écoute, on va passer au gameplay maintenant. Je vais te laisser montrer le gameplay de Dida, voir un peu ce qu'il peut faire. Avant ça, je vais vous montrer quand même. Je me suis permis de prendre la capture d'écran de ton score sur le boss de guilde d'hier. Ceux qui Oui, se bien sûr. demandent ce que peut faire Tenya, et eh bien voilà, vous avez le score que Vils a fait en un try. Et pour les plus curieux d'entre vous, on a fait un live où Vils est venu avec Ligat et moi en coop. Et avec son Ida, il a fait plus que nos persos. Et pourtant, vous savez très bien pour vous PL sur les coops qu'on a des très bons persos avec Ligat. Mais pourtant, le Tenya à Vils a fait beaucoup plus de dommages. Donc voilà, je te laisse montrer maintenant ce que tu sais faire, comment les petits conseils que tu peux donner pour maximiser les dégâts de Ida. Vas-y. Bien sûr. Bah déjà, pour commencer, le W, c'est vraiment l'attaque. Enfin, elle est indispensable pour Tenya. Parce qu'en fait, elle permet tout simplement de pouvoir monter la barre d'Engine Boost à 100%. Sachant que le Q de Tenya va en fait, justement. Voilà, comme par hasard, ça le fait pas. Pourquoi il. Ok. Voilà. Donc, normalement, en fait, le Q permet de, on va dire, transférer la barre en pourcentage. Bon, sachant qu'une barre pleine d'Engine Boost permet d'obtenir 25% instantanément de boost. Le boost, c'est la façon dont Tenya va accélérer. C'est-à-dire que plus il va avoir de boost, plus il va être rapide. Là, sachant que j'ai dépassé les 50%, on voit bien que ses attaques ne sont pas les mêmes. Ses attaques auto, à la fin, il fait une série de coups de pied qui fait quand même beaucoup de dégâts. On peut voir que mes attaques normales font environ du 5 000, 7 000, et que le coup critique est quand même à presque 20 000 des fois. Donc c'est quand même bien plus que la moitié. Et ça passe de 8 000 à 20 000. Donc au niveau des dégâts critiques, Peña, c'est vraiment un bon. Et le spécial, indispensable, il permet de bloquer la barre, en fait. C'est-à-dire que à la base, le Q va justement convertir la barre de boost en pourcentage, mais le spécial permet de verrouiller en fait cette barre, qui fait que tout simplement on peut réutiliser le Q qui a un cooldown de 3 secondes, c'est ridicule. Donc en fait, mine de rien, on peut l'utiliser énormément et augmenter très vite, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, le spécial, quand on le perd, tu vois, regarde, là j'ai la carte de Mirio, et tu vois, mine de rien, comment il m'a réaugmenté ma barre de spécial. Il m'a augmenté de 35%. Et franchement, c'est vraiment pas négligeable. Parce qu'en fait, Tenya, il garde son pourcentage à partir du moment où il est en contact avec la cible, à partir du moment où il y a un coup. Même s'il est en coup spécial, du moment qu'il fait une attaque, il garde son pourcentage. Et le problème, c'est que par exemple, pendant des clés ou quoi que ce soit, les boss, la plupart du temps, ils font des animations qui les rendent invulnérables. Et pendant ce temps-là, bah, Tenya, il peut rien faire du tout. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il court. Il court et il attend. Il attend parce qu'il peut rien faire. Et pendant tout ce temps, bah, son pourcentage, il le perd. Et Donc c'est pour ça que le spécial, il est vraiment important. du coup, alors
une question. À partir de quand tu utilises ton E sur Tenya? Parce que c'est vrai que moi, j'utilise jamais ces coups. Je fais juste du coup blanc quasiment sur Tenya et du Q. Donc le E, toi, tu l'utilises quand, ce E-là? Alors, le E, personnellement, je l'utilise jamais avant. Je l'utilise jamais avant d'être à 200%, tout simplement parce qu'en fait, oula, à 200%, en fait, si tu veux, il va donc convertir tout. Et donc, là, on peut voir que tu vois, attaque plus 100%. Il y a un petit attaque plus 100% qui s'est affiché. Et maintenant, chaque Q, en fait, va me donner 50 en 50. Et ici, je ne sais pas si on voit ma souris, mais là, il y a une petite lame violette. Et en fait, c'est justement le buff que donne le E. Et en fait, ce buff, il va partir petit à petit. Donc, au tout début, à partir du moment où on utilise le E, en fait, les dégâts vont être multipliés énormément. Et on va vraiment sentir les différences. Mais plus on va bah, attendre, et plus les dégâts bonus, en fait, vont s'estomper. Jusqu'à arriver à bah, des dégâts totalement normaux, en fait. Donc, l'idéal avec Tenya, effectivement, c'est de pouvoir monter sa barre à 200 le plus vite possible. Parce que si je suis pas à 200, en fait, quand je vais utiliser mon E, en fait, ça va être vraiment pas worse. Parce que tu vois, je suis qu'à 30%, par exemple. Et même à 199% de ma barre, quand j'utilise mon E, je vais pas avoir 50% de bonus. À chaque fois, ça va m'augmenter de 35 en 35. Et mine de rien, tu ressens une énorme différence. Parce que le 50 en 50 te permet en 4 Q d'être à 200, contrairement au 35, tu dois en faire entre 5 et 6, tu vois. Donc, on dirait pas comme ça, mais en fait, quand tu es face à un boss et que tu as un timer, le but, c'est d'être le plus rentable avec Tenya, parce qu'en fait, tu prends tellement de temps à partir, et c'est tellement un monstre à sa vitesse maximale. Que bah, tout simplement, tu peux pas faire autrement. Regarde, tu vois, je tape des 80 000 en dégâts critiques, alors que je suis à 20 000, 30 000 sur mes attaques auto. Regarde, 20 000, 20 000 et 80 000 en coups critiques. Ça fait presque fois 4. C'est énorme. Et donc, à 200%, Tenya, il se joue uniquement avec des esquives et des séries de coups de pied. Et dès qu'on voit que les dégâts s'estompent un petit peu, tu vois, là par exemple, je suis repassé à la barre des 50 000. Ton E, tu l'utilises, tu bloques la barre pour qu'elle reste à fond, et ensuite tu vas enchaîner tes Q jusqu'à arriver à 200% tout simplement en fait. Et à partir de là, vraiment, c'est pas sorcier, tu vois, c'est vraiment, ça devient une routine en fait. Okay. Bah, le plus dur, ça va être d'esquiver les attaques des boss. Et donc, je suppose que sur les assists et les cartes actives, on aime bien les assists et les cartes qui font plusieurs attaques, comme la All Might qui fait plusieurs attaques. Et puis pour les assists, on peut penser à Ochako, mais on évite par exemple un Denki qui fait juste une attaque, ou voilà, Bakugo fait aussi plusieurs attaques. On préfère plus, je pense, les gens qui vont venir booster justement ce nombre de combos, non? C'est ça. Et au niveau des cartes, par exemple, le All Might est vraiment très bon. Parce qu'il donne 20 hits. Sachant que Tenya, lui, en fait, il peut avoir. Ah d'ailleurs, je ne les ai pas montré tout à l'heure, les cartes de Tenya. Mais les cartes de Tenya sont vraiment très bien. Parce que il y en a une en particulier qui permet d'avoir un bonus extrêmement puissant. C'est celle-là, là, Piston Engine. Elle permet chaque 10 combos d'augmenter les dégâts de 2,4%. Bon, là, c'est parce que je l'ai niveau 2. Habituellement, c'est 1,6 avec un maximum de 40%. C'est-à-dire que, en fait, tu dois faire, pour atteindre le max, en fait, si tu veux, tu dois augmenter de 1,6% en 1,6% chaque 10 combos. Ça fait, je sais pas combien, mais ça doit faire environ 240 combos. Pour atteindre les 40% de dégâts supplémentaires, tu dois faire 240 combos. Sachant que Tenya, mine de rien, les fait très rapidement. Si tu peux améliorer ça avec des cartes comme par exemple, bon, Minna, c'est un mauvais exemple, mais par exemple, Sniper, qui pareil, lui, il fait quelques hits supplémentaires. Mine de rien, ça permet de grappiller pas mal de hits. Et sachant que Tenya vit pour le nombre de combos, c'est vraiment génial. Et cette carte-là est monstrueuse parce que chaque niveau, en fait, ça va augmenter de 20% maximum. Donc, c'est-à-dire que niveau 4, la carte,
bah avec un combo de 240 qui est tout à fait atteignable avec Tenya, bah tu vas augmenter tes dégâts de 100%. Si tu utilises le skill E, tu vas réaugmenter tes dégâts de 100%. Si tu as des talents avec Tenya, ici, les dégâts critiques, c'est 50%. Ici, plus 15%. Ici, plus 40%. Et donc, au final, tu peux largement atteindre à force peut-être 400% de dégâts supplémentaires, quoi. C'est débile. Mais en contrepartie, il a pas mal de défauts parce que bah, voilà, ça a beau être un très bon personnage d'attaque, au niveau de la défense, c'est pas ça du tout, quoi. Je peux comparer avec un All Might qui est à la base quand même un tank qui fait des bons gros dégâts, mais qui a quand même une très bonne résistance. All Might, il peut avoir à chaque fois quasiment soit une immunité quand il fait ses tornades avec ses talents, ou alors quand il fait ses attaques auto, généralement il met un coup, un deuxième coup, et ensuite on a le choix entre trois attaques différentes. Déjà là, il gagne plus 150% de résistance, donc c'est vraiment un monstre au niveau de la résistance. Mais Tenya, c'est pas du tout ça. Quand il se prend un coup, il est mid-life, sur des clés niveau 17, je peux facilement me faire one shot, quoi. Et quand on se fait one shot, on retombe à zéro. Et après, il faut la remonter. Et c'est là qu'on perd un temps monstrueux, en fait. C'est ça, mais Donc, l'idéal, c'est de pas se faire toucher. j'ai envie de dire heureusement quand même, parce que bon, on a vu tout à l'heure que tu enchaînais les attaques à 80K à une vitesse folle. La plupart des persos ne font pas ça, hein. Très clairement, vous verrez pas des persos enchaîner des 80K à cette vitesse-là. Vous allez Ouais. faire une fois un 110K, 120K sur une attaque, mais vous enchaînerez pas des 80K sur des persos type Aizawa, All Might ou quoi que ce soit. Et All Might en plus est très lent comparé à Aizawa ou même à Ida. Donc forcément, ses coups font plus mal. Mais quand t'as un Ida qui a le temps de mettre 10 coups à 80K versus un gros coup de All Might, bah au final c'est Ida qui va faire le plus de dommages. Mais je pense que faut pas non plus. Voilà. Tout le monde ne maîtrise pas Ida comme Vils. Moi, je ne ferai jamais les dégâts que Vils fait sur un boss de guilde. Hein. Je ne maîtrise pas assez le personnage. C'est pas mon perso fétiche. Mais si vous êtes free to play et que vous n'avez pas les gros persos, bah, Ida peut être une bonne solution pour réussir à quand même marquer des points en PvE, comme le Mock Challenge, comme le Virtual Battleground sur le boss de guild, etc. Ça peut vous permettre de vous aider. Donc rien n'est perdu. C'est ça. En fait, Tenya va être extrêmement puissant sur les boss mono-cibles, mais surtout sur les boss d'event, en fait. Parce que, mine de rien, ils bougent pas beaucoup, les boss d'event, bon, à part peut-être le mec électrique qui se téléporte H24, C'est un lui, enfer. ça peut être un défaut, mais sauf qu'en fait, Tenya est tellement rapide et il a son Q tellement rapidement que tu peux foncer sur la cible en fait H24. Donc tu es tout le temps en train de te déplacer rapidement, d'esquiver, de foncer, d'esquiver. En fait, je pense que c'est peut-être un des persos les plus maniables, tu vois, je veux dire. Tu peux esquiver bien plus que les autres, sachant que à la base, quand un personnage t'attaque, tu as tendance à utiliser une esquive. Mais Tenya, son Q, la petite animation où il recule, en fait, on le voit pas bien. Mais il est doré. Et pendant ce laps de temps, en fait, il est invincible. Donc, en fait, tu as deux esquives. Tu as l'esquive de base et tu as aussi le Q. Il en a deux. Et ça, c'est vraiment fort. Justement, du coup, tu as une carte 5 étoiles, le Cello, qui augmente tes dégâts en fonction des esquives que tu fais. Donc, qui pourrait être pas mal. Bon, je sais que le problème de Cello, c'est que il est combiné à Moonfish. Moonfish est une très bonne carte, mais quand tu joues en solo, Moonfish, bah, c'est pas optimal, quoi, on va dire. Parce qu'il faut qu'il y ait un mort pour que la carte active son potentiel. Mais le Cello peut, je pense, sur Ida, être une bonne carte aussi. Hein. Ouais. Parce que moi, je prends Aizawa, par exemple. Aizawa, quand il monte dans le ciel, ça compte comme une esquive pour la carte Cello. Donc,
Je ne joue pas Ida, mais je suppose que quand il utilise son Q, ça doit faire la même chose, ça doit faire proc le Cello, je pense. Bah, à vrai dire, ça, je sais pas du tout, mais étant donné que c'est considéré, enfin, en tout cas, en game, c'est considéré comme une esquive. Voilà. Genre, très clairement, il a un moment d'invincibilité qui fait que tu peux esquiver. Et Cello, c'est quand même une augmentation de move speed de 5% et une attaque de 11,5% pour 5 secondes. Et en plus, il réduit la def de la cible de 11,5%. Oh la vache. Donc, je pense que quand t'esquives avec. Bon, il y a un cooldown quand même. Mais je pense que quand t'esquives avec Ida, voilà, ça peut faire la job si vous n'avez pas de bonnes cartes 5 étoiles. Ça peut vous aider. Après, le 7, on a tendance à dire, essayer de faire un 7, ça reste que 90 points d'attaque. Là, par Oui, exemple, c'est vrai que c'est ridicule. si vous devez casser un set pour mettre Cello avec Ectoplasme et faire l'autre set correctement avec Nagamasa et Combat Fist, bah c'est pas grave. Je pense que vous allez gagner plus en mettant Cello et Ectoplasme que si vous mettiez Cello et Recovery Girl, qui d'ailleurs n'augmente pas beaucoup les dégâts. Donc Bien sûr. Bah voilà. déjà, on peut voir, regarde, par exemple, sur 5500 d'attaque, est-ce que tu crois vraiment que 90 points d'attaque supplémentaires, ce serait vraiment un gros changement? Très clairement, c'est une aiguille dans une botte de foin, quoi. Genre, tu vas vraiment pas voir la différence. Alors que justement, les pourcentages que vont t'apporter les cartes, contrairement aux 90 points d'attaque qui sont fixes, bah, le pourcentage, mine de rien, c'est proportionnel à ta puissance, tu vois, je veux dire. Plus t'as de puissance, et plus le pourcentage va faire que c'est élevé. Donc, plutôt que d'avoir juste des sets de cartes qui vont ensemble, comme par exemple, ouais, c'est ça, Cero ou Cellophane ou avec Moonfish ou quoi que ce soit, c'est pas les 90 points d'attaque qui vont faire quelque chose. Bon, bah écoute, merci Vince pour cette petite review de Ida. Bon, petite, ça doit être la plus longue review du perso de la chaîne. Mais au moins, vous êtes en voiture maintenant, vous savez comment utiliser Ida, vous pouvez vous entraîner avec. Et même si dans les tier list, il est au bas du tableau, bah, dites-vous bien que bien maîtriser, bien jouer en PvE, il va vous aider énormément ce perso-là. Voilà. Sur ce, Vince, Ouais, merci bien. Et puis. Bah à bientôt. bah merci à toi.